الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. Frères en Islam, السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Frères en Islam et sœurs en Islam, ne t'oubliez pas nos précautions. Allah subhanahu wa ta'ala fait une enseigne de l'Islam. Qui est un musulman, le visin, prend ses précautions. فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ. Quand on prend tes précautions, tu ne fais tes efforts, place ta confiance dans Allah. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit, attache ton chameau et place ta confiance dans Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, il est nécessaire qu'il nous prenne précaution pour nos nourritures et aussi pour nos bons médicaments. Nous assez nourriture pour nous capables faciliter nos familles, nos madames, nos enfants. Nos bons médicaments pour nous capables protéger nous si arrivé nous tombons malades. Parce que pas seulement coronavirus, mais il y en a beaucoup dans les autres malades qui nous besoin de prendre nos précautions. Mais, frères en Islam et sœurs en Islam, il y a une précaution qui beaucoup du monde peut oublier. Ces précautions, comme le calme-out une nuit devant nous. Allah subhanahu wa ta'ala, tout seul connaît. Est-ce que nous pouvons, dans quelques jours, dans quelques semaines, est-ce que nous mots pour ne manquer pas coronavirus, pas un accident, pas quelque chose, Allah subhanahu wa ta'ala tout seul connaît. Allah subhanahu wa ta'ala, lui aime lui dire, wa ma tadri nafsum madha taksibu ghadan. Personne pas connaît qui peut arriver demain. Wa ma tadri nafsum bi ayyi ardun tamut. Et personne pas connaît quoi de sali pour moi. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, lui le connaît. Peut-être nous pouvons avec coronavirus, nous pas connaît. Donc, frères en Islam et sœurs en Islam, nous devons prendre nos précautions aussi qu'ici arrivé nous mort et nous marquer, qui nous pas souhaité, nous fait droit qu'Allah subhanahu wa ta'ala protège nos familles, protège nos bonnes frères, nos bonnes sœurs, bonnes musulmans, et aussi protège tout le monde, qu'Allah subhanahu wa ta'ala protège nous, mais si nous mort et nous marquer, parce que du monde mort avec coronavirus, du monde mort d'une autre façon aussi, si nous mort et nous marquer dans sa bonne jour qui peut finir. Qui précaution qui nous fait prendre, frère en Islam et sœur en Islam? Est-ce qu'il nous prend précaution pour nous retourner côté Allah? Est-ce qu'il nous prend précaution qui, quand nous peut quitter sa dunya, Allah subhanahu wa ta'ala au minimum lui gagne pitié ou non? Ne pas dire Allah satisfait avec nous. C'est une trop grande prétention. Mais au moins Allah subhanahu wa ta'ala gagne pitié ou non? Est-ce qu'il nous prend sa précaution qui, quand nous rouges peut sortir, nous lames peut sortir, Allah lui pitié nous? Parce que si nous mourons, Allah est en colère avec nous. Wal malaikatu basitu aydihim akhriju anfusakum. Al yawma tujzawna adab al hun. Quand ange de la mort pour prendre la vie, ban infidèle, ban désobéissant, avec violence, sortis-nous aller. Al yawma tujzawna adab al hun. Aujourd'hui, tu peux subir une punition humiliante. Est-ce qu'il nous l'est dans sa catégorie du monde? Ou bien nous l'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit nous, la khawfun alaykum. Peine à payer pour vous. Wa abshiru bil jannah. Et gagne bonne nouvelle paradis. Pour cela, frères en Islam, si nous mort et nous de bon jour qui peut venir, nous devons prendre deux précautions. Première précaution, frères en Islam et sœurs en Islam, prends précaution qui, quand nous allons Allah subhanahu wa ta'ala, nous ne pas faire shirk avec lui. Pas soucié non rien avec Allah subhanahu wa ta'ala. Pas qu'aucun droit Allah subhanahu wa ta'ala donne du monde. N'a pas ado du monde mort. N'a pas fait la sorcellerie. N'a pas ado idole. N'a pas prend droit Allah donne sous créature. Pas fait shirk avec Allah subhanahu wa ta'ala. Yabna Adam, aux enfants Adam. Law laqitani bi qarab al-ard khataya. Si tu zoennes moi avec une montagne de péché. Thumma laqitani. Et ensuite, tu joins moi, l'âme tu shirk bi shay'an. Tu peux pas faire shirk avec moi. Laqituha bi qarab, laqituka bi qarabiha maghfira. Mouzoune-toi avec une montagne de pardon. Innahu man yushrik billahi faqad habita 'amaluhu. Celui qui ne fait shirk avec Allah, à l'infini, invalide sa bonne action. Donc, frères en Islam et sœurs en Islam, si nous ne faisons shirk, nous demandons Allah pardon. Innahu yaghfiru, innallah yaghfiru dhunuba jami'a. Allah lui pardonne tout péché. Tant qu'il nous parle courant dans sa karatul maut, Allah pardonne tous nos péchés.
Deuxième frère en islam, parle côté Allah ou pas ne faire 5 fois salat. Comment se faire aux 5 fois salat? Ou dans la case, ou dans le confinement, faire 5 fois salat. Demande à Allah pardon. Allah subhanahu wa ta'ala fin impose de nous aqimus salat, applique salat. 5 fois salat, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit, khamsa salawat in fil yawmi wal layla. 5 salat pendant le jour et la nuit. Nous fait rire de se lire. Inna salata kanat ala al-mu'minina kitaban mawquta. Salat fin prescrit le ban croyant de ban les spécifiques. Faire 5 fois salat. Première question qu'Allah propose le jour du Qiyamah, c'est concernant salat. Si vous ne répondez ça, tout ban kit chose qui vient après est négatif. Si vous faites passe dans salat, tout ban kit chose qui vient après est positif et facile, inshallah. Et aussi, frère en islam, troisième préparation, troisième kit chose qui nous préparait, c'est que nous parlons contre Allah subhanahu wa ta'ala, nous finissons faire du tout nos frères, nous finissons faire du tout nos sœurs, nous finissons faire du tout nos musulmans, nous finissons faire du tout nos non-musulmans, nous finissons faire du tout créatures Allah. Allah pas tolère abus, Allah pas tolère l'injustice, Allah pas tolère qui vous fait sur créature souffrir, même une digne créature. Atadrou d'un mal mouflis, je te connais qui s'en a, Rasulullah sallallahu alayhi qui s'en a le perdant. Le perdant, c'est lui qui, pour finir, jour qu'il il fait salat, il donne zakat, il garde son rosa. Mais seulement, le fin agresse un tel verbalement, le fin bat un lutte, le fin coquin l'argent un lutte, le fin accuse, fait fausse accusation un lutte. Allah subhanahu wa ta'ala, pour prendre ce bon action, pour donner son victime, et si ce bon action fin fini, Allah subhanahu wa ta'ala, pour prendre ce bon victime là, ce bon péché, pour mettre le second. Et ensuite Allah pourra vous élire dans l'enfer. Donc, n'a pas bise le djibun. Demande djibun excuse pour transgression qui vous fait faire. Et quatrième frère en islam, parle contre Allah subhanahu wa ta'ala avec dette. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit un shahid pour retarder pour rendre dans le paradis. Ce dette. Dette retarde un djibun pour rendre dans le paradis. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam pour montrer gravité d'être et n'avant sahabi qui fait un mot avec d'être Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam il refuse pour faire ce salat janaza. Il dit à les autres, fais les autres. Pour montrer nous gravité d'être. Au moins commence par ça l'intention qui, quand nous tout retourne à la normale, nous pourra quitter nous d'être. Ça c'est première préparation pour le côté Allah. Quand dans le côté Allah, au moins ça quatre petites choses, il y a gens aujourd'hui. Nous pas faire shirk avec Allah, nous demande pardon pour shirk. Nous faire l'engagement avec Allah. À partir d'aujourd'hui, nous faire 5 fois salat. Nous renonce faire dito au dimon, le Facebook, l'être anonyme, ou bien nous critique dimon des autres les deux. Nous mettre sens au dimon, nous cause mentir au dimon. Nous sommes la haine dans les kia, les autres pour certains dimon. Arrêtez faire ça. Et t'a quoi d'arwat el madloum, paye invocation, en qui vous faites les dito. فإنه ليس بينه وبين الله حجاب parce qu'il entre avec Allah peine à barrière. Ce doit compte ou pour compter prend l'engagement qu'il va arrêter de faire ça et aussi prend l'engagement comment retourne à la normale ou rakit ou dit. Mais deuxième préparation frère en islam, préparation nous dunya. Préparation nous dunya, oui, quand nous paiement nous besoin prépare pour dunya qui nous peut quitter parce que Allah subhanahu wa ta'ala. Peut-être n'appelez pas parmi nous qui peut écouter ça quelques paroles. Nous un père de famille, nous une maman de la case, nous un grand frère, nous une grande sœur, nous avons une responsabilité en tant qu'un papa pour faire nous la case déroule comme la case musulman, en tant qu'une maman pour faire nous la case déroule dans l'obéissance à Allah, en tant qu'un grand frère, une grande sœur pour nous aider nos frères et sœurs pour vivre dans l'obéissance à Allah. وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا Allah subhanahu wa ta'ala puis ordonne-nous qui nous ordonne nos familles pour faire salat et pour prendre patience. Est-ce que si nous mots là nous madame pour continuer faire salat pour continuer vivre l'islam, est-ce que si nous mots là c'est en islam, est-ce que vous missiez pour continuer dans l'obéissance à Allah, aux enfants pour vivre dans l'obéissance à Allah? Frères et sœurs en islam, c'est une préparation qui est importante qui nous finit forme nos familles, nous finit prendre l'engagement aux autres. Si arrivé une mort d'une façon ou bien d'une autre façon, vous continuez à vivre comme un musulman. Au moins, nous descendons nos responsabilités devant Allah subhanahu wa ta'ala.
Combien la case après la mort un papa, la case là, tourne vers désobéissance à Allah. Combien la case après la mort sa maman, monsieur là, arrête de faire salat, les enfants arrêtent de pratiquer dîne. Alors nous devons prendre une précaution. Pareil comme Yaqub alayhi salam, fin prend ses précautions. Quand il finit dit avec Allah subhanahu wa ta'ala, ma ta'budou na min ba'di, quand il dit avec ses bons enfants, qui ne pas adorer après moi. Qalou na'budou ilahak, je dis nous pas d'auto, ilah, nous pas d'Allah, wa ilah abaika Ibrahim wa Ismaïl wa Ishaq, et ilah de Ibrahim, Ismaïl et Ishaq, ilah wahida, un seul divinité Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, voilà nos préparations, frères en islam, qui nous besoin préparer avant qu'il nous écoute Allah subhanahu wa ta'ala. Qui Allah protège nos familles, donne-nous longue la vie dans l'obéissance à Allah. Mais si Allah finit nous maut, fais-nous al bien côté, retourne bien et protège nos familles dans l'absence. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.